Dans les shmups, il y a des titres qui ont laissé leurs traces davantage que d'autres. Tenez, par exemple, pour les scrollers horizontaux, tout le monde se rappelle de Defender qui représente à lui tout seul les années 80. Et puis un peu plus récemment, les gens se rappellent surtout de Gradius, aka Salamander également, oui, c'est son autre nom, qui a marqué les esprits parce qu'il était quand même assez tortueux, très recherché. Chaque tableau, c'était une nouveauté quasiment. Et beaucoup de gens s'y sont cassés la gueule. Aujourd'hui, c'est une super bonne nouvelle dans The Big Game Husky, puisque on va shmupper avec du Salamander-like, oui, avec du Gradius-like, et on va shmupper gratos. Tout ça grâce à un petit jeu qui s'appelle Spelus. Oui, les familiarités sont nombreuses. On a du bon scrolling horizontal comme on aime, on a 4 tiers comme à l'époque, et en plus, on reconnaît très très bien cette barre de bonus en dessous qu'il va falloir faire progresser. Et puis, ne pas oublier de sélectionner l'option qui vous intéresse le plus. Tout ça sous le feu de l'action. On y va direct. Je vais vous faire voir le jeu en mode fastoche. Et puis, après, je vous ferai voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre quand il est un petit peu plus méchant. Différentes routes à parcourir. Ouais, c'est ça. On peut choisir ces types d'options. Je vais prendre ça, ce sera mieux quand même. Oui. Oh, la grosse musique. Et bien sûr, le défilé de Stremont arrive dans l'ordre prédéfini, c'est-à-dire exactement comme dans Radius. Je vous rappelle, je suis en mode fastoche. Normalement, je devrais pas avoir trop de difficultés. Après, on jettera un nouveau jeu dans un mode un petit peu plus avancé parce qu'il est vraiment dans le bide. Alors, vous me direz, les graphismes sont pas ultra recherchés. Non. Mais c'est un shmup. Nous, ce qu'on recherche, c'est les sensations au niveau de difficulté. À la limite, les graphismes, on va s'en passer. Comment ça, on va s'en passer? Non, mais... pour nous faire abstraction facilement. Oui, mais un petit boss quand même. Bien que j'en
parle pas trop parce que je veux vraiment essayer d'ouvrir, faire voir assez loin. Du coup, j'essaie de m'appliquer parce que vous savez très bien que Monsieur K est une burne par les scrollers horizontaux. C'est pas un secret, une nouveauté. Ah, je viens de se cracher tout seul dans le décor. Avec 4 options, je devrais pas mal. Je pense que je vais me taper un shield pour la fin. Oui, monsieur qui est comme ça, pour flash. Il ne laisse aucune chance au jeu, même en mode easy. Je crois que je suis un petit peu au taquet là. Alors, ce qu'on va faire, on va basculer en mode normal du jeu pour voir un petit peu comment il se comporte et ce qu'il va me mettre dans le bec. Et ça va essayer d'être un peu plus fougueux. Et puis on va se mettre sur un niveau que je connais pas, puisque celui-là je l'avais essayé. Et donc là on va aller carrément à la fête. On est toujours type B. En fait, c'est exactement le passage que j'aimais pas dans les Gradius. Oui, je parle pas trop hein, parce que c'est... quand je dis que j'étais vraiment mauvais dans les Gradius, je déconne même pas, c'est un fait. Calmé gros. Non mais. Regardez-moi c'est énervé quand même. Ah, bon je suis arrivé à le passer, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Maintenant qui c'est qu'on va en voir en face? Alors là derrière, oh, c'est sympa ça. Vraiment? Non. Ça aurait été trop beau quand même. Oh purée, si. Excellent.
Bon, en tout cas, Spoilous, un très bon Gradius Lake. De surcroît gratos, vous allez pouvoir aller le chercher sur itch.io. Je vous mets l'URL en bas de toute manière. Si vous n'avez jamais essayé de Gradius Lake dans votre vie, bah voilà, c'est une occasion en or de vous y mettre. Alors, les graphismes sont pas tant recherchés que ça, je suis bien d'accord avec vous, mais je vous le rappelle, on est dans du shmup, qu'est-ce qu'on cherche? Les sensations. Alors du coup, maintenant, le reste, on s'en fout. Et vous allez voir que, bah, en progressant, il y a moyen que j'ai quand même quelques douleurs. Parler de douleur, oui, effectivement, c'est le cas maintenant. Oula. Ouais, c'est carrément violent. Demandez pas comment je passe, moi même parfois je l'ignore, il faudrait que je récupère ce shield, ça me fait super plaisir. Oh yes. Ah oui, le jeu commence à devenir méchant. Hein. Les speed up inutiles parce que je sens la catastrophe venir. Oh les fourbes. Je prends pas le laser, bah parce que j'aime bien mon tir elliptique. Il me plaît beaucoup, il me va bien. Regardez cette gueule d'amour. Alors du coup, sur ce niveau, on a des boss qui changent, ça c'est chouette. Est-ce que ça va être plus simple? Mais bien entendu, regardez. Oh merde. Oh, je mérite un petit café quand même. Bon, je vais aller jusqu'à ce que je crève, de toute manière. Vu que je connais pas ce niveau, il y a de bonnes chances que ça arrive. Allez, je vous rappelle, Spoilous, c'est bien. Vous aimez le rétro gaming, vous aimez le rétro shmup. Mangez-en. Il est fait avec amour, il est fait pour vous. Il est parfaitement jouable. Il est terrible. Ses patterns sont pas innovants puisque on est dans un classique du shmup, mais. Je veux dire, what else? On est là pour ça les gars. Oui. Et puis, vous avez déjà eu un Gradius sur votre PC? Non, c'est jamais sorti. Alors, foncez. Comment je vends bien ma soupe moi?
Monsieur K aurait-il progressé dans les chemins horizontaux? Bah, c'est probable, hein. Oui, je vous rappelle que sur The Big Gimowski, vous avez un canal, une playlist shmup exclusive, sur laquelle il y a plus de 500 shmups arcade. 500. Oui, je n'exagère pas, je ne bullshit pas. Et tout ça, c'est accessible gratuitement, sans pub. Rien que pour vos yeux, rien que pour votre plaisir. Et rien que pour arriver à trouver les shmups qui vont vous plaire. Parce que c'est un peu comme les fringues. Il y a des shmups, ils sont faits pour vous, il y en a d'autres qui vous vont pas. Parce que c'est pas votre style de gameplay. Et je vous recommande d'aller explorer la playlist pour peut-être trouver des petites perles que vous auriez ratées et qui vous conviendra. Et que vous serez ravis de parcourir en pleurant des larmes de sang. Parce qu'un shmup, avant tout, c'est de la difficulté. Oui, ça sert à rien de prendre un shmup trop facile, sinon ça gâche tout plaisir. Monsieur K parle en même temps d'un air dégagé. Oui, tout à fait. Monsieur K est la shmupitude incarnée. Si j'exagère, non, à peine, un peu, bon allez, d'accord. Je ramasse les bonus, mais je prends plus rien en option, quoi. Le speed up, j'en veux pas. À la limite, le shield, intéressant, on verra. Après, on se croirait dans un passage sur Amiga, dans un vieux Psynosis. Alors, la référence, c'est magnifique. Par contre, je vais me faire saturer si ça continue. Oui, je le sens bien venir comme ça. Heureusement, j'ai mes options autour. Qui font un boulot formidable pour me dégager un chemin dans ce fouchtra. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé cette expression, le fouchtra. Il est où le boss? Il est où le boss? Le boss, il est où? Je vais prendre mon shield si je peux. Je ne pourrais pas tarder, il est juste là-bas. Allez, fouille. Hop là. Finito la déconnada. Je vais me reprendre le shield pour la peine, tiens. Oui, j'ai pas très confiance. Alors je sais pas si je vais laisser le stream en entier, puisque Monsieur K joue comme un dieu aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il est pourtant 5h30 du mat. C'est peut-être pour ça, hein, c'est mes piles sont chargées à 100% et je ne peux faire que du gros dégât. Et en tout cas, si je coupe ce stream, eh bien voilà, c'est le bouton d'abonnement, ça. Et ça, c'est la playlist généraliste. Puis ça, c'est celle des shmups, donc ça vous intéresse. Ah, ça tombe bien, on est bon. Allez, je vous dis à tout bientôt. Ciao. Oula, 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 oula. Ça a l'air pas cool, ça.
Oh, quel dommage.